Yo yo, on est sur le pire jeu Dark Souls de l'histoire du monde, le pire Dark Souls-like de l'univers, Lord of the Fallen, premier du nom. On va continuer l'aventure, on va faire... Alors je crois que j'en étais à là, c'était la deuxième sauvegarde je crois. Hein. On va faire une dernière session sur le jeu, histoire de ne plus jamais y jouer après. Alors on finira pas le jeu parce que le jeu est horrible. Alors je m'étais arrêté devant une araignée sur un côté... Ouah, arrête les contrôles, j'ai envie de crever. Alors ici il y avait des araignées bizarres, il y avait un chevalier bizarre là-bas. Alors je sais plus comment on joue les gars. Comment on fait une roulade? Comment je fais une roulade? Ah et c'est quoi pour la roulade? Et c'est quoi pour la roulade? Aïe. Ok mon petit pote. Comment je prends une potion? Attends les touches sont pas bonnes là. C'est quoi ces touches de merde là? Voilà c'est mieux ça non? Voilà, ça a l'air mieux. De toute façon, c'est la dernière session, les gars. Après, c'est terminé. Le portail. OMG. La cinématique. Bah, je peux pas. Autant rester comme ça, vu qu'il y a deux trucs qui s'affichent pas. De toute façon, bon. Pas très intéressant, je pense. T'as un boss? On dit pas qu'on va s'arrêter sur un boss. T'as un boss multiple? Non, pas un boss multiple quand même. J'aurais pas osé faire ça. Je rage quitte le jeu. Encore plus vite que ce que j'ai commencé. C'est l'araignée ou quoi? Alors je sais plus si c'est un jeu esqui à Locke. On voit rien. Voilà, wow. Jeu de fou les gars. Ah, appuie sur rond hein, au cas où vous pouvez poser la question mais ça ne marche pas. J'appuie sur rond, ça ne marche pas. On va refaire, mais le boss est à chier déjà, les patterns sont à chier, il n'y a que 3 coups. Et le personnage est un tank, c'est comme si vous jouez un semi-remorque. Vous voyez ce que c'est un semi-remorque? Et ben c'est le personnage que je suis en train de jouer actuellement là. Un gros semi-remorque. Ok. Ok.
Gros jeu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mais... Gameplay est vraiment insane. Hein. Okay, on passe en P2, j'ai l'impression. Il a mis un poisson sous lui. Ok, on peut partir. Il y a un monstre derrière ou j'y arrivais? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a éclos des mecs. Oh non, il a éclos des trucs. Il se régénère en plus! Ah, juste il se régénérait en fait, ok. Il va se régénérer encore. Ouah, le combat de fou! On va éviter de mourir à la fin, les gars. Voilà, boum! Mais pas qu'il y ait une phase 2. Non, non. Oh, je vais attaquer. OMG. Que se passe-t-il? Infiltré. Ok. Super. Ah, le boss c'était ça. Hein. C'est deux coups, il se régénère. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Bonjour monsieur. Madame. Alors ça, je dois avouer que c'était impressionnant. L'entraînement, ça paie. Oui, parce que c'était une promenade de santé de me coltiner ce type. J'aurais pu m'en sortir. Ma foi, au vainqueur, le butin. Je vais prendre ça comme souvenir. Qu'est-ce que vous comptez faire avec toutes ces tablettes? Vous en avez beaucoup trop. Je vais vous aider. Tiens. Tenez. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. À plus tard. Et attention aux serpents. Ok, meuf. Toi. Méchant ou t'es gentil? Pas tuer roi. Ah, c'est un gentil. Donne-moi une bonne raison de pas te tuer, séance tenante. Ikra, récompensez-moi! Vous, Craig! Récompense? Une récompense. Pourquoi? J'écoute. Craig Roura, apportez Kron. Craig! Crâne humain, Roark,
parle fort, non, les gars. Récompensé. Pourquoi as-tu besoin de crâne humain? Faire pension cloque. Douleur unique arrêtée. Donnez crac bouclier. Arcrum sans sur bouclier. Croix guerrier. 15 crânes ogre gagré. Donnez un crâne. Voici ce que tu cherchais. Ouric beaucoup crâne. Besoin plus. Ok. Il veut des crânes, le boug. On joue une heure, hein, comme j'ai dit, les gars. Une heure max. On va pas s'en foutre. Ça fait plus de torture. Il y a une grosse araignée dans le coin, non? Un piège, ça. Il y en a une là. Aïe! Mort, je suis mort, à l'aide! In the hole! Bon, je pense qu'on va courir, les gars, là-dessus. Hein. Mais je reviens là en plus. Pourquoi je suis à un point de vie? Ah, mais je suis revenu parce que je suis dans le vide. Ok, je suis bloqué par un portail. Y'a la Krug, y'a Krug. Krug. Comment je saute? Oh, c'est bon, l'araignée là. Comment je saute? Assez rond. Okay. La gueule, toi! De la merde de fou, les gars, parce que j'ai de l'XP sur moi et vite sans que faites-vous ici? Ah, mais je suis retourné là. Une porte rutilante en échappant au regard et on est passé à travers. Difficile de faire pire que ça. On ne peut plus rentrer et le capitaine ne nous pardonnera jamais. On est pris au piège. Vous vous êtes enfui, bande de lâches. Vous vous êtes enfui. C'est la marque des lâches. Ils étaient trop nombreux. C'était ça ou mourir. Que lui est-il arrivé? Cet endroit regorge de monstres qui l'ont bien amoché. Si on ne le soigne pas très vite, il est fichu. Mon bon seigneur, vous avez bien une potion en réserve? Tenez. Voilà qui devrait faire l'affaire pour l'instant. Vous feriez mieux de partir. On se dirigeait vers la tour, près du pont, celle de droite. On voulait s'y cacher, mais elle grouille de démons. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. De rien, les bros.
Y'a pas un endroit où je peux me soigner là? Ah, c'est là, c'est l'endroit horrible, je me rappelle. Bah non, mais en fait c'est un raccourci pour revenir au là où j'étais au début. Oh Krug là, tu m'as saoulé. Master, oui. Non, ça je le fais pas tout de suite. Je pense mon niveau. Bon. Ok. Alors. Je sais plus comment ça fonctionne, les gars. Comment je fais? Oui. Nickel. Ah, ça met, il fait quoi là, lui? Mais comment ça? Je vais faire un naquet. Du coup, je dois aller où? Je dois aller aux araignées là? Je dois aller là en fait, aux araignées. Trop chaud en fait. Mais frère, c'est bon. Elles sont insupportables hein. Franchement, le jeu est vraiment nul. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais. C'est vraiment. T'as un semi-remorque. Pour esquiver, c'est une demi-heure. Les animations sont à chier. J'ai allé ici en plus. Ah mais ça mène là et ça... Je suis déjà allé ici les gars. Ouais ici c'était pas ouvert en fait. En fait il a juste ouvert les raccourcis. D'accord, en fait il a ouvert tous les raccourcis. Du coup... Comment on va là? On peut pas y aller là. En fait, faut retourner en arrière maintenant. Et là, j'ai battu vraiment le gros boss de cette zone, quoi. Entre guillemets, le gros boss, quoi. Ok. Épée lourde. Ok. Du coup, est-ce que j'ai une épée lourde sur moi ? Pas l'impression. Ouais. Bah du coup, faut, tu vois là où j'ai parlé au mec assis, c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Genre là-bas, tu vois. Il y a un portail en face, mais on peut rien faire. Je
Enfer. Oh là là, il avait un point de vie, il s'est régénéré. Mais vraiment, c'est tous les ennemis de ce jeu sont mal pensés. Lui, il est mal pensé. Il y a... Tous les mecs au bouclier sont très mal pensés. C'est vraiment horrible hein, comme jeu. Hein. T'inquiète pas, il nous reste que 40 minutes. Il nous reste que 40 minutes de souffrance. Il meurt vraiment pas hein. Du coup là ils sont deux, c'est de la triche tu vois hein. Je vais voir ce que ça, où ça amenait ça mais je peux pas y aller. En fait, ça sert à rien de me battre contre eux en fait. Faut pas aller là-bas. Et j'ai ouvert la porte, donc logiquement je vais aller là et c'est tout. Hein. J'ai pas le mec, ils me disent d'aller je sais pas où. C'est tout. Hein. Là, c'est la zone horrible que j'ai mis longtemps à finir. Genre, c'était vraiment horrible. Du coup, je vais faire quoi? Tu vois, par exemple, je suis bleu, je suis perdu, je sais pas où faut aller. Un ennemi, ça? Ça, on l'avait déjà fait. Le problème c'est qu'on peut pas se téléporter d'un feu à l'autre. On est toujours bloqué. En fait ils nous font sortir par là mais... Il y a de la neige. Non. Après, Antana, c'est casse tout dans la citadelle des monastères. Mais c'est où la citadelle des monastères? Que tout le monde se pose actuellement. Les mecs. Par là.
Alors j'ai eu les deux objets qui étaient là, mais... Mais vraiment... rien où il faut aller, quoi. C'est où la... Il y a pas de map. Y a... En fait, on peut pas savoir où c'est, la citadelle. Enfin, c'est les catacombes, recherché Antana. C'est quoi les catacombes? Y a pas de carte. C'est quoi les catacombes? Eh, c'est un souci, hein. Voilà, là je serais bloqué, là je serais pas où aller, tu vois. Vous revoilà. Vous nous avez ouvert la voie? Pas encore. Je vous en prie, faites vite. Je sais pas combien de temps il lui reste. Ouais, je sais pas où je dois aller, les connards, là. C'est quoi les catacombes pour eux? C'est ce qu'il y a là-dedans? Genre, je vais tuer tous les monstres et... Ouais, je sais pas. Je pense qu'on va tourner en rond pendant une heure, les gars. Hein. Désolé, mais je sais pas où il faut aller, je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais repasser par les araignées, peut-être, je sais pas. Clark. Je crois que là, je suis devant. Ouais, je suis devant lui. Okay. Là-bas, je suis devant le... Ok. Il m'a fallu des siècles pour la forger. Quelques minutes ont suffi au regard pour s'en emparer. Mes cristaux de voyage, mon plus grand trésor et ma plus grande perte. Que de puissance emmagasinée. Où les Rogars peuvent-ils bien vouloir se rendre? Quel voyage les attendent? Je sais pas, mec, je sais pas c'est quoi tes catacombes là, donc il y a un chemin là, tiens. Ou pas. J'ai réussi à m'en sortir de là? Ah putain. Je sais pas où je suis, hein. J'ai déjà... Ah mais je suis ok, je suis aux araignées et tout là. Non? Je suis aux araignées, les gars. En fait, c'est là que j'étais à la base. La porte est fermée? Ah voilà, c'est là-bas. Voilà, et là, moi, c'est là que j'ai repris l'aventure, c'est là, tu vois. Il y a le boss... Et le boss qui est juste là. J'ai battu. Du coup... Qu'est-ce que je dois faire après? Alors là... Bonne question. Je vais dans les catacombes, mais je sais pas où c'est. Y a pas un bouton pour le chemin? Y'a pas un bouton pour le chemin là?
m'a saoulé lui. C'est bon. Avec son Glock là. C'est bon, il m'a cassé les couilles les gars. Retourner, retrouver Antanas et Caslo dans la citadelle de monastère. Ça veut dire quoi, que je dois faire tout le chemin arrière de ce que j'ai fait? Ça doit être ça les gars. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que faut que j'aille tout au fond de la planète. Je crois que c'est ça. Ça me paraît logique. Retourner là-bas. Voilà, et partir là-bas. C'est ça que vous cherchiez? Ah bah putain, fallait juste aller là. Voyez-vous, il me cherchait. Et voilà qu'il m'a trouvé. Il m'aidera à traverser les dimensions. Vous? Non. Moi, oui. Si vous avez besoin que je vous forge des runes, je serai à votre disposition. Alors, forger grande rune. Rune de magie supérieure. Ok, tout. C'est super. Merci mec. Je pense que c'est là que je dois aller, hein, c'est tout droit. Reviens en arrière, quoi. Et là, je suis retourné avec les deux, c'est ça ? Là. Il jouit là. Et là. Vous avez besoin d'aide? Pour ça, c'est trop tard. Ma foi, c'est un bon endroit pour mourir. Que s'est-il passé ici? Nous sommes enfuis par les catacombes. Il y a un ancien tunnel qui mène à la cave de la citadelle. Je ne m'en suis pas sorti. Les autres ont sauté dans un portail ouvert. Vous êtes allé de l'autre côté? Pourquoi? J'ai arrêté les attaques des Rogueurs. Alors il nous reste un espoir. Vous devez en informer Antanas. Peut-être qu'il arrêtera. Enfin... Antanas. De... Antanas. Quoi? Traverser les... catacombes. C'est bien fait, hein. Ah, Antanas, vous devez... Attends, j'ai PS2 en fait. Touche humain. Waouh, super. Du coup, la suite est là. Le mec. Y'a du monde, what the fuck. Le problème d'ici, c'est que... Aïe, 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 aïe. C'est que c'est beaucoup trop dur, je trouve. Cette zone-là est trop dure. Pour le gameplay que je propose. Cet endroit est beaucoup trop dur. Bon, parce qu'en fait, il y a des shields, il y a des boucliers, voilà. Je fais pas moi des boucliers, bah, je fais rien. Voilà, on se fait chier. Voilà. Voilà. Gameplay contre les boucliers. Hein. Trop bien. Hein. Et pour moi, c'est pas là que je dois aller. Hein.
Mais ici, c'est vraiment... est-ce que ça, c'est des catacombes pour vous? Il y a marqué ou pas quand je sors? Même ça, il n'y a pas marqué quand tu sors d'un endroit, quand tu rentres. Cimetière. Ah si, il y a marqué, attendez. Cimetière. Et là? Et là, il n'y a rien marqué. Donc, c'est pas là, peut-être. Enfin, c'est peut-être pas là. Mais dans mon cerveau, je me dis si, c'est là. C'est logique. Une souffrance, ce jeu, oui. Il nous reste 24 minutes à souffrir ensemble et après on change de jeu. Il y a une marque au sol, faut pas marcher dessus, non? Je marchais dessus quand même pour voir, mais... Ah, c'est un truc à timer. Ok. Lancette épée courte. Donc, faut aller où du coup quand tu cours? C'est là, cette porte là. Ok. Ok. Oui, ici c'est que pour des objets. Il est ici avec un mec chelou. Bon, je dis, moi je m'en fous de mourir. Je veux juste trouver le chemin. Comme ça, hein. Cette épée doit être maudite. Je l'ai trouvée il y a quelques nuits, dans une tombe que j'ai pillée. Celle d'un certain Kyle Amber, je crois. En la ramassant, je me suis senti faible, pris de nausées, mais l'épée elle-même. Oh, je suis riche à sortir! Oula. Il meurt pas. Je connais cet endroit. Ah putain, mais je connais cet endroit.
J'ai allé ici. Ah mais du coup c'est juste un raccourci. Ah putain. J'ai deux boucliers à l'entrée là. Un boss. Ah mais je suis revenu au point de départ. La mort. C'est là d'où je viens. Les cellules. En vrai, le jeu est horrible. En fait, tout est horrible. Bon. Je peux pas. Un coup et je meurs. Oh oui. Pas de sauvegarde. Quel enfer. Merci Amando pour le sub. Amando 987 a offert un sub. Je l'ai offert à qui? Au hasard ou pas? Merci beaucoup en tout cas. Ok. Ce monstre paraît plus doué d'instinct que de conscience. Il ne cherche qu'à tuer. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé un marteau qu'il semble redouter. Cette arme doit être imprégnée d'une magie que je ne comprends pas. S'il fait trembler pareil monstre, j'ai tout lieu de le craindre moi aussi. Il y a un boss qui crée un marteau apparemment. Un double tour dans la cellule 11. Dans la cellule 11, il y a mon marteau. Dans la cellule 11.
bon, je sais où là, c'est le 11 moi. Hier, on a amené un homme, ici. Il complotait contre Antanas. Qu'il soit maudit, et sa famille avec. Je peux tolérer les assassins et les voleurs. Mais la peste soit de ses partisans. Il y a quelqu'un ? Aidez-moi ! Yo mec, ça va ou quoi ? Vous n'êtes pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas ? Par pitié, aidez-moi ! Vous voulez que je vous fasse une cellule ? Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous libère ? Pour pouvoir me tuer, trouvez le levier à côté, tirez dessus et abrégez mes souffrances. Je peux te tuer à travers le truc, hein, la grille, hein. Ça a pas l'air sorcier. Et où le levier ? Il est où le marteau cellule 11? Elle est où la cellule 11? Lame d'avance, pas ça, c'est la lame, c'est pas une lame que je veux moi. Comment je me ta cellule à toi là? Oui. Alors Y'a pas de levier. Vous voyez le levier les amis? Non, là, c'est pas le bon. Pourquoi il saute? Ah, bordel! Les pans hors d'accès des catacombes possèdent peut-être plus de secrets et de péchés que nous n'imaginons. L'un des lords regards menant l'assaut sur l'éclave a été repéré à l'intérieur. Allez, je me soigner. Il a tué bon nombre de soldats avant même qu'il ne s'aperçoive du danger. Tout ce que nous savons jusqu'ici, il m'empêche de me soigner. Il semble se nourrir de notre rage. À nous de lui rendre l'appareil. Et toi? Ah, je peux pas me soigner. Dégoûte. Et du coup, je suis mort, les gars. Je peux pas me soigner, je meurs. Hein. Ah oui. Je peux pas me soigner. Eh, je meurs du coup. Est-ce qu'il y a une meilleure arme depuis là dans mon personnage là? Parce que. J'ai eu ça en nouveau. Lame d'avant-garde. Dégâts 20. Moi j'ai quoi? J'ai dégâts 41 et ça met du poison. Ah, scintillante. Maraudeur. Ils m'ont parlé d'un marteau, mais je l'ai pas trouvé. Ah.
Bordel. Où encore là? Mais je suis toujours tombé dans les chemins chelous. Ah non, ok, je suis retombé là. Alors cellule 11, je sais pas ce que c'est hein. La cellule que je dois ouvrir, c'est celle-ci, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Je comprends pas comment je l'ouvre. S'il vous plaît, dépêchez-vous! Ah, ta mère, toi! J'ai peur! Comment j'ouvre la cellule? Ah, c'est là! Putain, mais c'est caché de fou! T'es caché! Yo Amando, comment tu vas? Désolé, j'étais concentré sur mon gameplay. Par heure, toujours pas bon. Faites vite! Il va mourir lui. Tiens. Eh bah super. Tout ça pour ça. J'ai là-dedans là. Crâne humain. Ah bah il est mort le mec. Je l'ai tué donc il y aura plus de crâne humain. Comment je monte là-dedans là? On voit qu'il y a un chemin par la gauche qui descend. C'est un enfer ce jeu hein. On a cellule 11, je sais pas où aller hein. Il y a une suite là. Sortir d'ici. La clé du geôlier est juste derrière vous. Non. Si vous ouvrez la porte, le bruit réveillera le monstre dans ma cellule. Et que je peux vous tirer là tous les deux. Pourquoi ne pas vous faire tous les deux sortir? Le bruit de la porte va réveiller les monstres derrière nous. Un seul de nous deux peut s'en tirer. Celui dont la porte sera ouverte. Je dois partir. Il y a là, il y a un objet. Et là, il y a rien. Donc, moi, je vais ouvrir celle-là, moi.
Je voulais deux et il meurt, hein. Je me bats les couilles. Hein. Je m'en bats la race. J'ai toujours pas mon marteau, hein, mais bon. Bien et vous, bah bien. Il reste plus que 5 minutes à jouer à ce jeu de mort et on arrête. Hein. Je retrouve l'endroit où il y avait tous les. Avant d'être enfermé, chaque criminel est marqué. Son tatouage facial est le stigmate de ses péchés. J'ai pris un autre raccourci qui m'amène sur un balcon, quoi. Méchant, toi? Pose-toi, toi! Grand Antanas, j'ai trouvé la preuve qu'il existait un Lord Regard réputé pour son armure impénétrable. Son bouclier était imbu d'un pouvoir formidable. Ils me protégeront du mal. Car ils ont été construits en même temps que Clave. Je comprends mieux alors qu'il ait eu à sa suite les disciples les plus dévoués. Ok. Dommage que ce jeu aurait pu être bon, tu vois, si le gameplay était un peu plus travaillé et tout. Ah ouais, je reviens là. Ok, donc... En vrai, je suis en train de débloquer tous les raccourcis du jeu, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là, hein. Juste retourner en bas. Tuer l'araignée pour finir. Zéro dégâts. Hop, allez. Les armes sont mon dada. Pic, marteau lourd. Ok. Bah, je continue un peu, les gars. Ça m'intrigue de voir ce qu'il y a à la fin de ce truc. Tomber là, je pense. Il y a deux monstres ici. Elle est verrouillée. Bon bah voilà. Bon bah voilà, les gars. Ce petit let's play vous a plu sur ce jeu de mort. Dommage, qu'il y ait, je pense qu'il y a quand même du potentiel. Malheureusement, bah, il n'a pas été exploité.
Il aurait pu être bien le jeu. Mais bon. C'est pas le cas. Sur ce. On va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce let's play qu'on n'aura pas fini parce que vraiment le jeu est infâme. Et voilà. Prochain let's play du coup c'est Life is Strange 2. Et ensuite Procolor. Voilà, voilà. Des bisous.